Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour la suite de nos aventures sur The Tenan. Donc, je sais toujours pas si ça se dit comme ça, mais c'est pas grave. Donc là, j'enregistre la vidéo juste après celle que vous venez de regarder. Donc, hein, je suis toujours au même endroit. Donc, on va prendre une petite mission. Alors, qu'est-ce qu'il faut concevoir? Une salle de bain. Allez, allons-y. Alors, ouais, c'est pas très grand. Donc, vous voyez, on peut prendre les missions, mais si on les commence pas, il n'y a pas de souci. Hop, donc, cette pièce-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Alors, ils voudraient soit une baignoire ou une douche, un lavabo, des toilettes, une brosse de toilette, du papier toilette, pierre ou stratifié, et des murs gris ou marron. Alors, des sols en pierre ou stratifié. Et les murs gris ou marron. Si on part en mur marron, il faudrait mettre un sol clair. Dans les murs marron, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ceci. On va mettre ça. On a 4200 de... Il est dans les plus chers, mais c'est pas grave. Donc, ah ouais, ça fait brique. Mince, pour une salle de bain, ça fait... Tant pis. Okay, donc, les murs marron et donc un sol stratifié en pierre. Donc, on va mettre... On va rester dans de la pierre. Ardoise ou granit. On va mettre du granit. Non, on va mettre plutôt... On va mettre du chair, tant pis. Voilà. Donc déjà, voilà la pièce. Ok, bon, allez, ce qu'elle est. Donc, douche ou lavabo, et douche ou baignoire. Douche ou baignoire. On a celle-ci. Qui irait très bien dans l'angle, je pense. Évidemment, je me suis trompé de lettre. Voilà, ils veulent un lavabo. Alors j'ai un lavabo d'angle là, qui me plaît pas mal. Hop, pardon, on va le tourner. J'ai encore jamais vu cette pièce, ce qui va quand même nous laisser pas mal de place. Ils veulent un toilette. On va prendre le plus cher. On va l'accrocher par ici. Hop. Ouais, donc là, ils ont de la place quand même. Hein. Ils ont où se tourner. J'aurais pu mettre une baignoire, sans déconner. Une brosse. Bah oui, ça, c'est l'indispensable, hein, une brosse. Hein. Hop. Du papier. Bah oui. Ça, c'est... Bon, on va éviter que vous vous penchiez par terre. On va vous l'accrocher au mur. Par là. Voilà. Ok. Ah, ils ont carrément de la place, là. Ils veulent une horloge murale et des plantes murales. Une horloge murale. Donc on va lui mettre celle-ci. On va la mettre en face du pipi room. Toi, tu regardes le temps qui défile. Et des plantes murales. Nous avons toujours celle-ci que j'aime beaucoup, moi, personnellement. Ici, on va en mettre. On va mettre celle-ci comme ça. Mince, j'aurais dû appuyer sur Shift pour faire en doublon. Et celle-ci, on va en mettre une ici. Et peut-être une ici. Voilà. Là, j'ai mis du budget. Il n'y aurait pas un petit tapis... par exemple, en biais là devant. Allez, je sais pas si ça va lui plaire, mais je trouve ça plutôt réussi. Finalement, les briques, c'est pas si mal. Donc là, j'ai rempli normalement toutes les conditions. Allez, on livre l'appartement au propriétaire. Alors, on va voir ce qu'elle va y penser. Donc, le porte-papier, bah oui, ça c'est un indispensable, madame. Hein.
D'accord, tu vas noter les plantes de dehors? Oui. T'es... Oui, d'accord. Ok. Pourquoi t'as pas pris les grandes là? C'était plus belle. Ouais. Alors je sais pas trop si les émoticônes là ou sont reflètent vraiment parce que tout à l'heure elle a eu des le même regard et j'ai eu un bonus donc on va savoir ça tout de suite hein. Donc je passe au niveau 4. Ouais voilà. Et donc des fois quand vous voyez elle fait le petit signe de soit elle est étonnée de la chose donc j'ai 5 étoiles donc je suis bien vu. Et j'ai eu un bonus, donc c'est cool. Allez, réno suivante. Qu'est-ce que nous allons rénover ici? Une chambre, ouais. Indispensable, meubles requis, décoration et pas important les murs. Ok, ça me rapportera 2150$. Allons-y, on s'y rend. Ah, laquelle est la chambre? Commencer la rénovation. Alors, laquelle est la chambre? J'ai 5200$ et il y a deux pièces. Alors, il faut un lit simple, un banc de muscu, une lampe, petite plante, poster de motivation. Ça rentre dans la petite pièce, à mon avis. Donc, on va mettre des murs rouges. Ah bah oui, là, s'il y a du rouge, je mets du mur rouge. Mur rouge, bien foncé. Voilà. Donc là, on va mettre un sol très clair. Donc, ils veulent du plancher ou du lino. Un sol très clair en lino. Un bleu et rouge, pas terrible. Plancher en chêne, je pense qu'il est assez clair. Ouais, c'est assez clair. Un lit simple. Alors, mobilier, lit. Lit simple. On va quand même mettre un bon lit parce que bon, faut quand même bien dormir. On va... le mettre ici. Voilà, banc de musculation, nous l'avons ici normalement à 2000, banc de musculation, il lui faut une lampe, et il lui faut une horloge, ça c'est un réveil, pendule ancienne, horloge murale. On va lui mettre une pendule ancienne à 1000 balles. Ouf, ça va faire mal. Hein. On va la mettre. J'espère que. Il faudra que je mette des petites plantes. Moteur de. Poster de motivation. Donc il y a ça. On va en mettre un là. Ah non, c'est pas ça le poster de motivation, c'est quoi? C'est peut-être ça? Ouais. Une lampe. Une lampe, une lampe, une lampe. Voilà, nous avons ici une lampe. Lampe, on va prendre celle-là, oui. Est-ce qu'elle le tient ici? Là, elle tient là? Attendez voir si j'arrive à la tourner. Voilà. Au-dessus du lit, comme c'est pour lire. Et il me manque des petites plantes. Il y a un bonsaï. On va le mettre plutôt ça. Écoutez, ici, là, on va lui remettre un petit cactus en table de nuit. Voilà, et puis on va mettre une autre petite plante là.
Voilà. Il reste. Ah non, d'accord, là. On peut plus accéder à la. À l'horloge. Ok. Comme si on avait besoin de se mettre devant l'horloge. Hein. Bon, bah, je pense que là, c'est pas trop mal. Tout est rempli. Voyons voir un peu ce qu'on va penser. Là, oula, j'avais pas vu la déco. La déco était pas assez forte. Ok. J'ai vu après, j'ai cliqué trop vite. Après, toutes les conditions sont remplies, hein. Donc petite plante, ça devrait te plaire. Hein. Pouf. T'aimes pas trop la petite plante là? Ok. Bon, de toute façon, le but du jeu, c'est quand même d'avoir les 2000 et quelques de rémunération. Réussi donc là, je prends les nouveaux meubles. Ok. On va aller voir ce qu'elle en a pensé. 4 étoiles. Tant qu'on n'arrive pas dans les 3 ou 2 étoiles, ça me va, moi. Bah, décoration, première impression, c'est bas. Bon, ok, peut mieux faire. Major, une rénovation aussi magistrale. Ça vaut la peine. Bon, bah, elle est quand même contente, hein. Ok, donc là, j'ai à peu près 10 000, 10 000 dollars pour ma réno. Donc, on va continuer. Ah! Donc là, ça commence à être, voyez, un petit peu plus mission intermédiaire. Donc c'est un peu plus compliqué, mais là, je vois qu'il y a une mission qui nous fait 3 900. Rénovation complète, budget. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Si on dit, architecte expérimenté, appelez-moi. Décoration, première impression. Mais bon, on va faire celle-là. Ça rapporte pas mal d'argent. Je sais pas ce qu'il faut faire. Ah! C'est une rénovation complète de l'appartement. Ok, nous avons 10 jours. Commencer le nettoyage. On va réparer. 64% de chance. C'est pas gagné. Ok, c'est réparé. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Décoration, première impression. Ok. 58% de chance de le réparer. Mon avis, celui-ci, il va être jeté. Ah non. 70% de chance. Ok. 12% de chance. Ok, j'ai tout réparé. Donc ça, c'est carrément une salle de jeu. Donc ligne directrice, décoration, première impression, meubles requis. Alors je sais pas s'il faut que je laisse ça dedans. Pour moi, je récupère pour l'instant. Parce que après, si je veux venir les remettre, je sais pas comment je fais. Bon, bah, je les récupère. Je récupère l'autre babille aussi. Récupérer. Après, je pourrais certainement les reprendre, donc c'est pas un souci. Voilà, j'ai tout récupéré. Je quitte pour l'instant. Bon, oui. Et donc maintenant on commence la rénovation. Putain, on va savoir ce qu'ils veulent. Donc ils veulent une chambre à coucher. Ah, ils veulent un baby-foot, voyez. J'ai préféré baby-foot. Ok. Donc ils veulent une salle de bain avec une douche, des toilettes, papier toilette. Ok. Ils veulent un séjour. Avec télévision, canapé, fauteuil, table basse, bar de pole dance. D'accord. Ils veulent une chambre à coucher avec un lit, deux lits simples, un matelas, un réfrigérateur, un micro-ondes. Dans la chambre à coucher. Ok. Ok.
Ça va être compliqué de faire ça dans cet espace, je pense. La douche et les toilettes, ça doit pouvoir tenir ici. Alors, douche et toilette. Si je mets la douche ici, le toilette en face, pas sûr que ça tienne. Alors, décoration et première impression, nous avons un budget de 9 000. Alors, si je vais dans les mobiliers spéciaux, baby-foot, 2 000 euros, je peux récupérer un baby-foot de chez moi? Ah oui. Donc voilà, j'ai récupéré un baby-foot de chez moi. Parce que ça coûte quand même 2 000 euros, donc ça me fait 2 000 euros de budget que je vais pouvoir mettre ailleurs. Ok. Donc le baby-foot, il y est. Dans la chambre à coucher, alors dans la chambre, séjour, la chambre à coucher, je pense que je peux la mettre ici. La salle de bain. Douche, ici, toilette, je ne sais pas si ça tient. On va tester. Alors, douche, on va mettre une douche qualitative. Voilà, on va mettre le toilette. Ok, ça passe. On va mettre une petite brosse. Et on va mettre un peu de papier toilette. Ici, voilà. Donc, j'aurais pu casser les murs et refaire. Ça, on va le déplacer hop là, à l'entrée pour pas qu'il nous gêne. Ici, il gêne personne de toute façon. C'est l'entrée. Donc, ils nous veulent du stratifié et de la peinture grise pour les murs. Donc, mur en gris. On va partir sur un gris clair. S'il n'y a pas de fenêtre, il faut éclaircir la pièce. Et un stratifié en sol. Stratifié en sol, on va rester dans le gris. Voilà. Ouais. Y a pas trop de pourriture. On fera de la déco après. On va déjà stratifier. Il ne me l'a pas pris. Pourtant, c'est bien du stratifié, ça. Ah non, c'est du linéum. Je me suis trompé. Donc, du stratifié. Ils veulent du parquet stratifié. Bon, on va perdre un petit peu d'argent, mais tant pis. Voilà. C'est ma faute. J'avais qu'à faire attention. Donc voilà. Donc dans la chambre à coucher, ils veulent des lits simples. Oula, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On va déjà essayer de meubler. Donc lit simple. Et ils veulent aussi un matelas, c'est ça, j'ai vu. Matelas. Lit d'occasion, matelas gonflable, ok. Lit, tout ça c'est des lits simples, hein. Ok. On va. Mince, j'aurais dû appuyer sur Shift comme d'habitude, je me fais avoir. Évidemment, on va déjà poser deux lits simples dedans. Le matelas gonflable. Hop, on va faire le tour. Super. Pas terrible, hein. Ils veulent un réfrigérateur, un micro-ondes mais c'est chaud là. Faire rentrer tout ça là-dedans, c'est chaud. Ces cas-là, attendez, on va déplacer ça là, on va déplacer ça,
On va déplacer ça. D'accord, celui-ci n'a plus l'accès. Celui-ci n'a toujours pas l'accès. Ah ouais, mais c'est chaud là. Sans défaire les murs, ça va être chaud, hein. On va les mettre en quinconce. Toujours pas accès. Si je le mets ici, lui. Voilà, donc là, ils ont accès. Ok. Ah oui, mais non, mais attendez, mettre tout ça là-dedans. Un frigo compact. Pas qu'il n'y a pas accès, c'est pas vrai. Ok. Est-ce qu'on peut mettre le micro-ondes dessus? Ouais. Ok, donc là on remplit. C'est vraiment sale là, ce que je viens de faire. C'est pas très esthétique. Mais bon. Donc là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent du lino. Donc là, j'ai le droit de mettre ceci. On va mettre du bleu. De toute façon, la pièce est mal faite. Et ils veulent des murs jaunes. Super. Bleu et jaune, c'est magnifique. On va mettre du clair quand même parce que... Voilà. Donc là, on remplit tout ceci. Donc là, ils veulent une télévision. Alors, toi, on va te déplacer. Et la télévision. Alors, il me reste 6000 euros. Télévision, canapé, fauteuil. Table basse, barre de pole dance. Eh ben, ça se trouve où la barre de pole dance? Ici. Alors, on va la mettre. On va tourner. On va la mettre dans l'angle. Ici pour l'instant. On va déjà amener dans la pièce les objets. Ils veulent un canapé. Et fauteuil. On va mettre un canapé comme celui-ci. Hop là, pardon. À regarder par là. Là, je fais un truc, mais à l'aménagement très sale. Pourquoi tu peux pas? Ah, c'est la pole dance qui... Ok. Bah dans ces cas-là, je vais tourner comme ça. Hein. Pour pouvoir te déplacer, toi, plus par là. Là, tu accèdes. Toi, je t'accroche au mur ici. Ils veulent une table basse. Bien ça hein, que j'ai vu. Table basse. Ici. Rempli. Fauteuil. 900. Allez. Soyons fous. Il me reste pas grand chose en argent. De toute façon, j'ai rempli tous mes objectifs. Il ne me reste plus qu'à poser un plancher et des murs peints en gris. Donc les murs peints en gris, on va prendre un gris un peu comme celui-ci. Tac. On va ensuite mettre un sol, il veut un plancher. On va mettre du sombre. Parce que j'ai mis Oh, il n'y a pas de turiture là quand même. Hein. Le budget était plutôt serré. On va passer dans la déco.
On va essayer de décorer. Je pourrais remettre ceci. Est-ce que je peux le reprendre? Non, maintenant je peux plus le reprendre. Mais une fois que je l'ai posé, je peux plus le reprendre. Voilà, pour faire un peu de déco, on va mettre un peu de plantes murales. Ça coûte pas trop cher. Voilà. Il me reste 280 €. Petite bougie sur la table. Est-ce qu'on a la possibilité petite horloge. On va continuer à remettre des plantes pour que ça soit agréable. On va en mettre une aussi dans les chiottes. Hop, 165 €. Boîte de décoration ici. Et on a 135 $. Un cadre peut-être. De là, non, je peux pas. Non, ça va pas être possible. Là, à côté de la télé, ça va faire très moche. On va te déplacer, toi. On va te mettre ici. €109. 70 €. Petite étagère ici. Ce qui va me permettre de mettre des livres dedans. Voilà. Et puis on va finir ça comme ça. Voyons voir ce que le propriétaire va penser de son appart. Donc des plantes dans les toilettes, est-ce que bon, ça le perturbe. Ça, il aime. Ok, la table basse. Tu m'avais demandé, je pense que tu vas apprécier. Voilà. La chambre, alors là, c'est vraiment du grand n'importe quoi. C'est vraiment moche. Ah, j'aurais pu mettre les deux lits contre le mur du fond et le micro-ondes avec le réfrigérateur au milieu. Donc, j'ai débloqué des nouveaux objets. Et on va aller voir la note que nous a attribué le propriétaire. Allez. Oh. Ah, c'était pas si mal en fait. 5 étoiles et j'ai même eu un bonus. Donc je suis à 15 000 $. Donc, ce qui va nous permettre de rénover notre appartement. Ou alors je me dis. Attendez voir, on va essayer de voir. Je vais essayer de vous montrer sur la carte. Et normalement, on doit pouvoir acheter des appartements. Mais ils sont pas disponibles et si on trouve un petit dollar sur la carte, ça veut dire qu'il est à vendre. Et j'ai jamais testé dans ma partie test que j'ai fait avant. Voilà un appartement à vendre par exemple. Il est à vendre à 101 000 $. Je sais pas si je peux faire 101 000 $, mais tout à l'heure j'avais pas le même à vendre au début du jeu. Au début du jeu, quand j'ai commencé, il y en avait un à 71 000. Alors peut-être que ça varie en fonction de ce que je fais. Mais de toute façon, on verra ça la prochaine fois. On continuera à faire des rénovations et on rénovera notre appartement ou pas. On va essayer peut-être de voir si on peut pas acheter un autre appartement pour faire durer la démo. Sinon, bah, on fera et puis j'attendrai que le jeu sorte pour continuer. Voilà. Allez, merci de m'avoir suivi. À la prochaine fois. Ciao, bye bye.